Cela ne vous a sans doute pas échappé, cet été, les vannes aménagées sont de plus en plus nombreuses sur la route. Parmi eux se trouve le Ford Transit Custom de Gate qui se dévoile dans une nouvelle génération et qui s'expose ici au Salon de Munich sous la forme d'un prototype très proche de la version de série. L'occasion idéale de vous faire découvrir à quoi peut bien ressembler une petite maison roulante. Comme sur l'ancienne version, c'est le préparateur allemand Westphalia qui s'est chargé d'aménager ce van. Alors il y a quelques petits changements dans l'espace vie comparé à l'ancien modèle, comme notamment le frigo qui est désormais rangé ici dans ce tiroir. On a aussi un plan de travail qui est désormais un peu plus grand. Puis pour le reste, c'est conventionnel avec le toit relevable qui libère l'espace nuit. On a aussi un deuxième lit toujours qui apparaît lorsque l'on rabat la banquette à l'arrière. Ce Transit Custom Nugget a bien d'autres arguments de choix à faire valoir, comme la possibilité d'équiper le toit d'un panneau solaire ou encore de proposer en série le système d'eau chaude, un plus non négligeable quand on aime se réchauffer sous la douche à l'arrière de son van. Et puis pour les plus pudiques, une petite tente qui permet d'être cachée pendant qu'on fait sa toilette est même proposée en option. Que demander de plus ? Le van aménagé est aussi connecté avec la présence de cet écran tactile de 7 pouces qui permet de contrôler différentes fonctionnalités comme notamment la lumière dans le véhicule, mais aussi de gérer le niveau d'eau et le niveau de batterie. Tout cela est également pilotable depuis son smartphone. Bref, on est comme dans un camping-car mais dans un format plus compact et bien souvent plus pratique. La grosse nouveauté sur ce van aménagé, c'est l'apparition d'une motorisation hybride rechargeable de 232 chevaux, de quoi concurrencer le prochain Volkswagen California T7 qui sera lui aussi proposé dans cette motorisation, mais qui arrivera dans un second temps. Pour autant, la première version de ce Ford Transit Custom Nugget qui sera disponible au catalogue sera un diesel de 170 chevaux. Ce bloc sera associé à une transmission intégrale et pourra se doter d'une boîte automatique à 8 rapports. Il faudra patienter jusqu'à l'ouverture des commandes à l'automne prochain pour connaître les tarifs de ce nouveau Ford Transit Custom Nugget. Les premières livraisons de ce van aménagé sont prévues dans le courant du premier trimestre 2024. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Largus ainsi qu'à nos différents réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao !